Des bêtises. Et lorsqu'on présente l'image d'Israël, des Juifs, maintenant je ne suis pas d'accord pour la perte du monde du temple, ils avaient raison de tuer, parce que lorsque des milliers d'Arabes qui sont dressés par la haine avec le mot de djihad, par les musulmans, par les muezzines, par les cadis, par les muftis, le mufti de Jérusalem maintenant, c'est exactement le mufti de Jérusalem qui a fait une brigade fasciste avec Hitler, qui a serré la main d'Hitler. C'est exactement pareil. Les Arabes sont animés de la haine du peuple juif. Maintenant, j'accuse les Arabes en tant que élite qu'ils m'ont jeté des pierres en Algérie et qu'ils m'ont jeté des pierres à Hébron. Et je leur ai montré que je n'avais pas peur. Ils pouvaient me tuer, mais ils ont réfléchi. Ils se sont mis à discuter. Quoi faire? Le tuer ou ne pas le tuer?
Ça a duré 2 ou 3 minutes. Et je suis monté au Mitnah Khalil, à Hebron, en 1971. Et ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une légende, cela. Maintenant, j'accuse le peuple arabe. Si jamais les Arabes attaquent les Juifs à Jérusalem, dans les lieux saints, je demanderai la malédiction à Dieu sur tout le peuple arabe. Tout entier. Voilà. Maintenant, posez-moi des questions. Et maintenant, ils vont choisir, monsieur, ils vont choisir les phrases qu'ils veulent de votre discours et ils vont faire de tout ce que vous avez dit le contraire de ce que vous voulez dire. C'est exactement ce qui se passe. Et vous êtes tombé dans le joli piège. Vous n'avez pas... Non, je ne veux pas être manipulé. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez ce qu'ils ont fait au moment du Liban. Chacun qui faisait une petite déclaration. Écoutez, je vais vous dire une chose. Pour l'affaire de Sabra Satila. Écoutez-la. Écoutez celle-là pour l'affaire de Sabra Satila. Écoutez l'affaire de Sabra Satila. L'affaire de Sabra Satila. Écoutez-la, écoutez-la. L'affaire de Sabra Satila. Écoutez l'affaire de Sabra Satila. Sabra Satila. Et d'Aber. Le New York Times a accusé Eric Sharon pour l'affaire de Sabra Satila. J'ai répondu au New York Times et j'ai répondu à Mitterrand aussi. Alors pour New York Times, c'était David Halevi, le rédacteur en chef. David Halevi, je me suis rappelé d'un livre d'un homme qui fait la parachate à Shavua à Paris. Yossi Eisenberg, il a construit un livre, il a écrit un livre. Dans ce livre, il parle d'un Halevi. Je me suis rappelé. Ça, c'est le Marchev.